Meghan Markle et le prince Harry ont des assistants du palais qui ont peur, selon l'expert royal Duncan Larcombe, qui a discuté de la décision de ne pas publier de rapport sur les allégations des intimidations dans les foyers royaux. Meghan Markle et le prince Harry ont semé la panique parmi les assistants du palais, qui se démènent désespérément pour éviter une nouvelle guerre avec les Sussex. Cela survient après que la famille royale a décidé de ne pas publier un rapport sur les allégations des intimidations dans les foyers royaux. Duncan Larcombe. Un ancien rédacteur en chef royal du Sun, a déclaré au programme The Royal Beat que la décision était due à la peur. Il a suggéré que les responsables du palais avaient peur de provoquer une guerre avec le duc et la duchesse de Sussex. Le rapport a été publié après que des allégations des intimidations ont été détaillées dans un email de l'ancien attaché de presse de Meghan Markle, Jason Knauf, qui a été envoyé en octobre 2018 et divulgué plus tard au Times. À l'époque, Meghan a publié une déclaration en réponse niant qu'elle avait intimidé qui que ce soit. Dans une interview avec Oprah Winfrey peu de temps après, elle a accusé le palais de perpétuer des mensonges, monsieur. Larcombe a déclaré, pour que Jason Knauf prenne ce risque de faire part au prince William, son patron ultime, des inquiétudes qu'il avait au sujet de son personnel et du traitement qu'il leur infligeait de la part de l'un des membres de la famille royale. Ce n'est pas seulement inhabituel, mais sous le règne de la reine. C'est absolument sans précédent. Je pense que la raison pour laquelle il ne publie rien de tout cela est que le palais a peur du duc et de la duchesse de Sussex. Je pense qu'ils savent que s'ils publient le rapport, la prochaine chose qui se produira potentiellement est que Harry et Meghan joueront la victime et continueront sur Oprah et causeront un autre monde de douleur.